Hey, bonjour à toutes et à tous, c'est Hypno. On se retrouve aujourd'hui avec la pêche, la patate et la banane, j'ai envie de dire comme d'habitude, pour une petite tentative MOAB sur la map Vortex en élimination confirmée. Donc je vous explique tout simplement le but de cette partie, c'est qu'on s'est lancé un petit défi avec la team, puisqu'il y a trois maps qui sont sorties aujourd'hui, à savoir Intersection, U-Turn et Vortex, qui donc trois maps qui sont sorties aujourd'hui où vous pouvez jouer en 1 contre 1, 2 contre 2 ou 3 contre 3. Donc on a fait deux groupes de 2 et on essaie de sortir la MOAB sur chaque map. Donc là je joue avec Tour de Passe-Passe Pro, Assassin Pro, Tireur d'élite Pro. J'ai l'ACR, le silencieux et le viseur laser. Alors comme je vous ai expliqué, le but c'est pas de jouer avec une arme skillée, le but c'est pas forcément de rusher, le but c'est de sortir une MOAB le plus rapidement possible sur une nouvelle map. Voilà, donc c'est vraiment ça le premier but direct. Donc je suis en compagnie de Rage Neo qui lui va être en gros avec du drone et des vestes balistiques pour m'assister. Quand on est en MME, bah, il va éviter de killer parce qu'en 2 contre 2 MME ça se termine à 30 frags. Là hop, tiens, prends mon C4. Ça se termine à 30 frags, donc autant vous dire que dès que vous avez perdu, qu'alors vous aviez fait une série de 6 ou un total de 6, c'est mort, c'est fini, vous avez plus assez de kills possible. D'ailleurs, je tiens à préciser que sur cette partie, bah, vous allez voir si je réussis ou pas. En tout cas, le but c'est de faire la mob ou de s'en rapprocher et d'uploader le gameplay. Donc là bah, c'est parti, là pour le moment 3 petits kills tranquilles, là on cherche un petit peu les ennemis, 4. Donc vous avez vu, Vortex c'est quoi? Vous êtes je dirais en pleine campagne américaine. Je dis américaine parce que voilà, étant donné que le jeu vient plus ou moins des États-Unis quand même, pour Infinity Ward, l'équipe est quand même composée là-haut. Donc c'est vrai que je pense que c'est plus une campagne américaine qu'une campagne française, même si le décor pourrait correspondre. Et vous pouvez voir juste en face là-bas un vortex, voilà, juste à gauche là. En fait, tout simplement, c'est une tornade. Alors là, vous avez vu que je me bats un petit peu au début. Là, voilà, 7 kills. 7 kills assez rapidement. Donc là, je suis en spécialiste. Voilà, je fais le petit point de mes armes. J'ai fait tous les rechargements possibles. Regardez pourquoi j'ai regardé la direct. Parce que vous allez voir, la map est tellement petite. Voilà, là, je me barre. Je suis rouge. C'est pas la peine d'aller le tuer. On le laisse. On va pas faire bêtement. Je me cache dans les fourrés. Donc, vous verrez que les respawns sont simples. C'est ici ou en face ou de l'autre côté. Donc du coup, vous allez avoir l'impression qu'on spawn kill, etc. C'est effectivement le cas, mais en 2 contre 2, c'est un peu le but. Enfin, il n'y a pas assez de respawn. Donc de toute façon, vous regardez, je sais que l'ennemi vient de là. Là, il y a le deuxième en face, donc ça ne me sert à rien. Et là, en plus, comme je suis là, il respawn là-bas. Donc du coup, ben, j'enchaîne encore les kills. Alors là, vous voyez, je prends pas trop de risques, hein. Je tire à peine. Et là je vais pas au contact parce qu'ils m'attendent. Il faut savoir qu'on a fait quelques parties. Ça joue full assassin indétectable. Chose que moi d'habitude je ne mets jamais. À part quand j'ai bah, bien sûr j'ai des blocs spécialistes. Mais sinon je ne joue pas avec assassin indétectable. Pas parce que c'est un atout noob ou quoi. Ok, parce que vous me connaissez hein. Pour moi chacun a le droit de jouer avec ce qu'il veut. Mais parce que ça me correspond pas. Je préfère des trucs un petit peu plus... qui donne un peu plus de boost au gameplay que assassin ou indétectable. Bon, maintenant, si vraiment on perd et tout, j'ai déjà pu le mettre. Voilà, je l'ai déjà mis, il n'y a pas de souci. Mais c'est vraiment très très rare parce que c'est pas un atout que j'aime. Mais après, chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Et donc là, dans ces modes de jeu, eh ben, on a remarqué qu'ils mettaient tous ça. Tous. Donc là, vous avez vu, j'arrive pas à aller de l'autre côté. Et d'un autre côté, j'ai... je veux pas forcément y aller, puisque regardez, ils reviennent tous de là-bas, donc ça sert strictement à rien d'essayer d'aller là-bas. Donc à chaque fois, je vais au moins au middle pour pouvoir reprendre mes petits paquets. Je regarde à gauche le troisième respawn, mais apparemment là dans cette partie, j'avais capté que ils avaient l'air de tous réapparaître ici, tous en face là-bas. Donc du coup, ben, j'essaie de regarder de temps en temps. Vous avez vu, je bouge beaucoup hein, pour pas... je reste dans la même zone, c'est vrai. Là, il y a Neo qui m'a dit, bah, tiens, j'ai une veste balistique. Donc du coup, ben, je vais pas me prier. Et encore, je suis resté debout. C'est une grave erreur. J'aurais dû me coucher pour prendre les vestes. Pour être pas trop voyant. Au passage, petite double... j'ai pas vu, double feed headshot de Neo. Et là, regardez, ils sont de nouveau là-bas. Regardez, ils sont de nouveau là-bas. Donc là, il est au pied de la camionnette. Hop, on y va doucement. Headshot. Et donc... encore une fois, voilà, vous allez voir là, je vais à un moment donné, je vais décider d'y aller, d'aller contourner, voilà, parce que je me disais, mais le gameplay va pas être beau, allez, tant pis, je contourne. Mais là, je sais qu'en ayant contourné ne serait-ce que 2 secondes,
Le spawn a quasi 90% de chance de changer. Alors là, il me semble que il a pas changé puisque Neo est resté en position. Et là, j'ai eu très très chaud, j'ai eu peur. Là, vous allez voir, je vais retourner à la veste balistique le plus vite possible parce que c'est très très chaud. Donc là, 16-0 plus 2 assistances, ce qui me fait 17. Donc là, je suis à 17. Donc là, je disais à Neo, écoute, moi, ça me saoule de rester au même endroit. Je contourne, fais gaffe, le spawn va changer. Hein, tant pis, je force, j'y vais tranquillement, mais je force le respawn. À ce moment-là, je me rappelle, il m'a dit, écoute, le spawn, je crois que tu l'as déjà fait changer. Et normalement, si je me trompe pas, voilà, le spawn a changé, regardez, ils sont de l'autre côté. Vous avez vu? Donc, peu importe où vous allez dans la carte, ils respawnent à l'opposé. Donc, de toute façon, vous connaissez le spawn. Et comme je vous ai dit, là, c'est le but, c'est vraiment la MOAB, donc j'essayais de mettre toutes les chances de mon côté. Là, je peux vous dire que, voilà, 16, toujours mes deux assistances, qui fait 17. Je me suis dit, oh là 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 là, ça va être chaud, ça va être chaud. On essaie de gérer le temps, on essaie de pas perdre non plus. Le C, bien sûr, on capture pas toutes les médailles, hein. C'est pas notre but pour le moment, puisque le but, c'est la MOAB, et après, de remporter la victoire. Voilà, c'est un petit défi, hein. On peut pas tout faire en même temps, hein. Je sais que des fois il y en a qui abusent, qui disent ouais l'arme machin, comment tu restes et tout. Faut savoir que c'est des nouvelles maps. Vous en verrez très peu sur YouTube s'il y a des mobs, si on arrive à en sortir. Donc voilà, et puis c'est un petit challenge de team quoi, il y a rien de bien méchant de toute façon. Si nous on le fait pas, les autres le font. Pour information, cette partie je suis vraiment bien parti. Maintenant je sais pas si je vais pouvoir vous faire plaisir avec une MOAB. Je sais même pas ce que j'aurais mis dans le titre. Peut-être que je vais spoiler dans le titre. Si je spoil dans le titre la MOAB ou tentative MOAB ou MOAB loupé de peu, etc. C'est pas bien grave, de toute façon on s'en fout. Le but c'est le gameplay. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Qu'est-ce qu'on en a à faire du titre? Alors là je cherche, il a été tué. Et je cherche par qui. Donc là je reste derrière, il vient de me chercher. Donc là c'est vraiment très très chaud et il manquait pas beaucoup. Là regardez, c'est vraiment chaud, un ennemi. Là je sais qu'il y en a un deuxième pas loin. Là il y a Neo qui me jette un petit, je sais même plus comment ça s'appelle. Donc là je vais prendre, voilà, je vais essayer de prendre la veste balistique. Là je suis à 18 plus 2 assistances, donc 19. Donc là je transpirais. En fait là j'essaie surtout de me calmer. C'est pas forcément que j'attendais les ennemis, mais à ce moment là je peux vous dire j'arrivais à rien faire. Regardez comme je bouge dans tous les sens. J'arrivais pas à être stable et je me suis dit attends, je reste là. Là je me vois pas y aller, c'est... J'arrive pas quoi. Bon là j'ai refait un kill, ça m'a remis un petit peu en confiance. Donc là qu'est-ce que je fais? J'ai voulu recontourner. Malheureusement voilà, j'ai vu qu'il y en avait un dans mon dos. Il me l'a annoncé, il vient de le tuer. Donc je suis revenu un petit peu sur mes pas. Donc là il me semble qu'à ce moment là je suis à 21 plus 2. Donc 21 moins que ce soit Neo. Non je crois que je suis à 19 plus 2 à 6, je crois que je suis à 20. Il me semble que je suis à 20. Là encore une fois un ennemi. Et là le deuxième ennemi. Donc à ce moment là je crois que je suis à 23-24. Il m'en resterait plus qu'un. Non même pas, peut-être celui-là c'est le 24ème. Et là je me suis dit oh là 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 là, c'est chaud. Ils sont où? Je suis à 22-0 plus 2 à 6 qui fait 23. Je me dis allez c'est plus qu'un kill. Je rêve pas. Et là MOAB 24 kills. MOAB mes amis, c'est réussi sur la nouvelle map Vortex, donc à savoir que ça se passe dans un champ avec juste en face, vous pourrez voir un petit vortex. Donc là maintenant j'ai dit écoute, je tente le perfect, regardez juste en face vous voyez la tornade, voilà, d'où le nom Vortex hein, puisque c'est le cœur de la tornade. Là à ce moment là j'ai dit écoute, 26-0, là je rush, je m'en fous, j'ai fait la mob, défi réussi. Maintenant il est hors de question que le gameplay soit pourri. Le but, je vais montrer toute la map, donc regardez, je vais vraiment bien contourner la map pour essayer tout en killant les ennemis. Là je vous montre, voilà, point de respawn ici. Là en face où je vise, c'est un deuxième point de respawn. La preuve, regardez, il y a été. Donc là, je vous montre, vous pouvez passer ici. Là j'ai eu très 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 chaud. J'ai pas compris pourquoi je l'ai pas tué. Là je vais dans un autre point de respawn. Voilà, ici. Voilà, ici c'est le deuxième point de respawn. Le troisième, il est juste en face dans l'herbe. Là je crois avoir entendu qu'il y avait des ennemis au bout. Là je reviens un petit peu ici, je vous montre la maison. Vous voyez là c'est vraiment une visite hein. À ce moment là je faisais vraiment une visite tout en faisant attention pour... Hop là, j'ai eu un petit peu du mal. En plus on gagne l'élimination confirmée MOAB. Donc je me suis dit allez, un petit perfect en rushant. Et là franchement je pense que tu auras rattrapé le coup d'avoir fait 8-9 kills de l'autre côté à peu près au même endroit, sans souci. Donc là vous avez vu hein, j'essaye vraiment de rusher de spawn en spawn.
À tout moment je peux me faire tuer. Donc je longe quand même les fourrés, hein. Je me sers de la map. A savoir que tout ça se passe vraiment dans des champs. Donc il y en a beaucoup qui restaient planqués avec assassin indétectable, comme je vous le disais, dans les champs. Et je, pour information, j'avais fait un rush total en MME sur cette map et j'ai fait 22 kills d'affilée. Mais alors là c'était magnifique, mes 22 kills étaient magnifiques. Je n'ai pas arrêté de bouger pendant toute la partie. Le seul problème c'est que ben il me manquait 2 kills et c'était la fin de partie en MME. Et en plus je me suis fait tuer dans la kill cam. Donc voilà, mais même si je faisais mes 2 kills manquants, enfin non, il me restait 3 kills à faire, mais que 2 kills possibles en MME. Donc autant dire que c'était foutu. Et c'est bien dommage, elle aurait peut-être été plus belle quand même. Mais bon, franchement, mob sur une nouvelle carte direct au bout de 2 heures de test de carte, j'étais heureux. Vous avez vu, direct, je regarde le spawn, je connais. Là, encore une fois, hop, je sais où il est. Je reviens par ici. Est-ce qu'il a tué mon allié? Ouais, hop, toi je te tue. 3, 2, 1... Et eh bien regardez, on a gagné la partie 22 à 14 en élimination confirmée, un 31-0 pour moi. Bah écoutez, j'espère vraiment que ça vous a plu. Comme dit, c'était un petit défi entre membres de la team. Je vous invite, au moment où vous voyez cette vidéo, vous aurez une vidéo de Doggy qui a réussi une MOAB sur U-Turn. Donc je vous invite, vous aurez un lien dans la vidéo, à cliquer sur ce lien là maintenant qui doit apparaître pour aller voir sa vidéo. Ainsi que le gameplay, il était en compagnie de Push. Donc vous allez voir, à mon avis, vous n'allez pas être déçus également. Surtout de la manière qu'il l'a fait. Alors je vous dis pas, on a composé des groupes, hein. En gros, il y en a un qui tente la MOAB, un deuxième qui aide. Et vous allez voir de quelle manière il a bien pu réussir cette MOAB. Le petit Doggy, ou plutôt le grand Doggy quand même. Parce que si je me trompe pas, je crois qu'il fait pas loin des 2 mètres. En tout cas, c'était Hypno. Moi je vous dis, portez-vous bien. Pensez au petit j'aime. À vous abonner si c'est pas fait pour nous soutenir. Mais surtout lâchez un commentaire pour cette première MOAB sur la toute nouvelle map Vortex. Allez, à la prochaine. Ciao, bye bye.